Shalom, famille TPS, soyez bénis. Nous allons commencer notre prière. Merci de partager la vidéo. Merci de partager la vidéo, s'il vous plaît. Partagez vraiment. Partagez. Amen. Soyez bénis. Vraiment, si tu partages, écris partager. Je veux voir qui a partagé. Il n'y a rien à cacher. Hein. Si tu as partagé, tu écris partager. Partagez. Si vous êtes, vous avez des groupes, vous avez adhéré à des groupes, partagez dans vos différents groupes. Alléluia. Voilà. Là, je suis en train de partager, moi aussi. Très important. Je vais partager sur la page. Allez sur la page Frida Bass ou bien sur mon profil, vous allez la trouver. Vous allez la trouver là-bas. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Voilà. Fermez le son, s'il vous plaît. Voilà. Je partage la vidéo dans l'autre groupe, dans l'autre page, sur l'autre page, tour de prière, et nous commençons. Voilà. Là, je partage sur la page tour de prière. Préparez vos Bibles. On prépare nos Bibles. Voilà. Voilà. J'y suis. Ah non, c'est pas sur YouTube, c'est sur Facebook. Tapez prophétesse Frida Manzioni. Ça marche pas? Tapez c'est bon, vous avez trouvé? Ok, super. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes en train de monter. Merci, shalom. Partagez. Partagez. Je ne sais pas qui j'ai en ligne. Je vais regarder là maintenant. Voilà, c'est ça. Frida Bass. Merci de fermer le son. Ça va m'arranger. Ouais, voilà. Alors, shalom. Shalom. Attendez. Voilà. Qui j'ai? Shalom Amagojo, shalom. Il n'y a pas le son. Pasteur. Il n'y a pas assez de son. Est-ce que le son est bon? Merci. Ok. Le son est bon sur Facebook. Ok. Shalom Diane, shalom Leslie. Merci Seigneur Jésus. Alors, le temps que nous sommes en train de monter, partagez. Et si vous avez partagé, mettez juste partagé. Amen. Soyez une bénédiction pour quelqu'un. Soyez un sycomore pour quelqu'un. Alléluia. Un sycomore, c'est-à-dire par votre vidéo, par votre partage, quelqu'un peut rentrer aussi dans la prière. Shalom Madeleine, que le Seigneur te bénisse. Merci de partager. Alléluia. Ah, Itra, sois béni. Ok. Trinité, shalom. Amanda, shalom. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Il y a le son. Ok, très bien. Merci d'avoir partagé. Merci Madeleine. Merci. Merci Trinité. Merci Léonie. Merci. Soyez bénis. Que le Seigneur se souvienne de vous. Alléluia. Qu'il se souvienne de vous. Merci Jésus. Shalom, shalom. Alléluia. Queen, shalom. Sois béni. Merci Seigneur Jésus. S'il vous plaît, au téléphone, vraiment, fermez le micro si vous parlez. Nous allons commencer notre prière. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia.
ton nom, gloire à ton nom. Oh, sois exalté, sois exalté, sois exalté, sois exalté, sois gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, Yahweh, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, alléluia, alléluia, je te chante. Acclamer le Seigneur. Nous allons commencer notre prière. On acclame le Seigneur. Nous sommes bien montés. Amen. Nous avons dépassé les 100. Alors nous pouvons commencer. On acclame, Pasteur, tu peux m'aider. Merci Jésus. On acclame. Je pose ma guitare. Et voilà. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. On acclame. Merci Jésus. Bien-aimés, nous allons bénir le Seigneur, nous allons le glorifier, nous allons le magnifier. Amen. Pour la grâce qu'il nous a fait encore de pouvoir voir ce mois, parce que nous sommes le 1er octobre aujourd'hui. Alléluia. Écoutez-moi au téléphone. Nous sommes le 1er octobre aujourd'hui et c'est une grâce que de voir les portes de ce mois. C'est une grâce d'avoir accédé à ce mois. Alléluia. Alors nous allons lui dire merci pour la grâce, nous allons lui dire le célébrer pour son amour, pour sa grâce. Nous voulons reconnaître que ce n'est pas de notre effort, ce n'est pas par notre force, mais c'est par sa grâce. Amen. C'est par sa grâce que nous sommes là, c'est par sa grâce que nous respirons, c'est par sa grâce que nous avons le mouvement, c'est par sa grâce que nous avons l'être, c'est par sa grâce que nous avons le souffle, c'est par sa grâce que nous avons la santé. Alors nous allons lui dire merci, prions ensemble, alléluia. Tendre Père, nous voulons te bénir encore, nous voulons te magnifier. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ton amour. Merci, Seigneur, parce que ta fidélité et ta bonté, Seigneur, ce sont encore tes fidélités, Seigneur, et ta bonté se sont encore renouvelées pour nous. Seigneur, nous te bénissons et te louons. Oui, la Bible déclare, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Nous voulons te célébrer, toi qui es le roi de gloire. Merci, car tes compassions ne sont pas à leur terme. Ce soir, Seigneur, nous repassons encore dans notre esprit tes bontés. Nous repassons encore dans notre esprit ta miséricorde et nous reconnaissons que tu es Dieu. Reçois la gloire, merci, car c'est toi qui nous donne le souffle de vie. C'est toi qui as permis que nous puissions voir, Seigneur, les portes de ce mois d'octobre. C'est toi qui as permis que nous puissions accéder aux portes de ce mois d'octobre. Alors nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Reçois la gloire et la louange dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Merci Jésus. Alors bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Tu vas prendre ta Bible, tu vas ouvrir avec moi dans le psaume 55. Le psaume 55 à partir du verset 23. Amen. Merci de fermer le son de Facebook, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Fermez vraiment, je ne peux pas m'écouter, ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Psaume 55, verset 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Alléluia. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Bien-aimés, nous voulons remettre notre moi à l'Éternel. Nous devons apprendre à remettre notre semaine, notre journée, notre année à l'Éternel. C'est très important.
Parce qu'il se passe des choses spirituelles. Quand une porte, quand la porte d'un mois s'ouvre, il se passe des choses spirituelles. Il y a des activités divines qui se passent, il y a aussi des activités maléfiques. Alors, il est important de remettre, de confier son moi entre les mains du Seigneur. Un autre dira, moi j'ai ma vie, moi je sais, il n'y a personne qui contrôle ma vie, de toute façon si je vis c'est par ma propre force. Un autre dira comme ça, mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons que ce n'est pas par notre force. Et nous savons qu'il n'y a rien qui est acquis. C'est pour cela que nous remettons tout entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et le psalmiste savait, c'est pour cela qu'il a dit, excusez-moi, est-ce que vous pouvez fermer vraiment le son? J'entends quelqu'un parler derrière vous, ça me dérange. J'entends un monsieur qui parle au fond. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Bien-aimé, nous sommes heureux parce que nous sommes justes. Alléluia, est-ce que tu peux écrire avec moi, je suis juste? Écris avec moi, je suis juste. Je suis juste. En fait, tu dois connaître ton identité. Tu es enfant de Dieu, tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, tu es juste. Alléluia. Tu fais partie des justes sur la terre. Tu dois le savoir et ça doit être imprégné dans ton esprit. Tu dois l'accepter, tu es juste. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Alors tu dois connaître ton identité. Parce que tu es juste, tu fais partie des justes, tu sais que l'Éternel ne te laissera jamais et tu ne chancelleras pas. Alléluia. Tu sais que tu ne chancelleras pas. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. C'est pour cela que nous avons besoin de posséder les portes de ce mois. Parce que l'ennemi aussi travaille sur les jours, travaille sur la semaine, travaille sur les mois, travaille sur l'année. Il a des calculs qu'il a fait, il a des plans qu'il a fait pour contrecarrer des destinées, pour briser des destinées, pour tuer des destinées. Alors nous aussi, quand nous rentrons dans le nouveau mois, nous devons le dédier à Dieu. La Bible déclare dans Genèse 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement Dieu, la parole de Dieu a commencé avec Dieu. Alors il est important que nous puissions dédier, donner à Dieu tous nos premiers jours. Alléluia. Nos premiers jours du mois, nos premières semaines, nos années. Nous devons tout remettre entre les mains du Seigneur parce que l'ennemi travaille. Même dans la semaine, telle que tu as ta semaine, tu sais que tu as lundi, tu as mardi, tu as mercredi. On te dit, on est quel jour aujourd'hui? On est jeudi. Mais même dans les jours de la semaine, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une activité spirituelle. Parce que le lundi, je pense qu'on a tous appris ça à l'école, mais on n'a jamais fait attention. Le lundi est dédié à une divinité. Alléluia. Le lundi est dédié à la divinité de la lune. Est-ce que vous pouvez m'écouter, s'il vous plaît? Aïe, aïe, aïe. Le lundi est dédié à la lune. Alléluia. Le mardi est dédié à Mars. Le mercredi est dédié à Mercure. Le jeudi est dédié à Jupiter. Le vendredi à Vénus. Le samedi à Saturne. C'est ça, hein, pasteur? Le samedi à Saturne. Et le dimanche est dédié à qui? Le dimanche au soleil, voilà. Parce que c'est plus en anglais qu'on le sent. Au soleil, parce qu'en anglais, c'est Sunday. Sunday, vous voyez, il y a le mot sun dedans. Donc au soleil, tout est dédié à une divinité. Ce qui fait que même quand tu rentres dans ton mois, l'ennemi a dédié quelque chose. Il y a des personnes qui perdent même des grâces parce que quand ils rentrent dans le mois, c'était déjà prévu pour elles que quand tu rentres le 1er octobre, dès que tu vas mettre ton nez et que l'atmosphère de cette journée, dès que tu la respires, il y aura quelque chose qu'on va t'enlever. C'est déjà arrêté comme ça. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes heureux parce que nous sommes en Christ. Et celui qui est en Christ est protégé. C'est pour cela que nous nous dédions tout au Seigneur. Alléluia. Nous voulons prier pour posséder ce mois d'octobre. Nous voulons prier pour que tout ce qui a été prévu contre toi dans ce mois d'octobre soit nul et sans effet, anéanti au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des personnes qui marchent, qui sont en train de parler, qui sont en train de respirer, mais en réalité, leur année a déjà été coupée. Leur mois a déjà été coupé. Dans ce mois d'octobre, on leur a donné que 2 semaines. Les 2 autres semaines ne seront plus de ce monde. Mais nous, nous avons Christ, nous avons la vie et nous marchons dans la victoire. Alors nous dédions notre mois à Dieu. Alléluia. Nous dédions notre mois à Dieu afin que
nous puissions bénéficier des grâces et des bénédictions qui sont dédiées à notre destinée dans ce mois. Amen. Afin que nous puissions bénéficier des grâces et des faveurs qui nous sont destinées dans ce mois. Parce que dans ce mois, j'aimerais te rassurer, dans ce mois, il y a un colis pour toi. Dans ce mois, il y a une faveur pour toi. Dans ce mois, il y a une visitation pour toi. Alors, tu dois prier pour que le chemin soit fluide. Alléluia. Tu dois prier pour que le chemin soit fluide pour te permettre de pouvoir accéder à ce qui a été prévu pour toi. Parce que ne t'inquiète pas, des fois c'est prévu mais l'ennemi vient contrecarrer. Alors tu dois prier pour que cela arrive à toi dans le nom de Jésus. Et je déclare sur toi que tu vas recevoir ce que Dieu a prévu pour toi dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu vas recevoir cela. Je déclare que dans ce mois d'octobre, les personnes que Dieu a prévu que tu puisses rencontrer, parce que cette personne a une clé pour ta destinée, que tu puisses la rencontrer dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors nous voulons prier. Nous voulons prier. C'est pour cela, bien aimé, n'hésitez jamais à dédier le mois à Dieu. N'hésitez jamais. N'hésitez jamais. N'hésitez jamais. C'est très, très important. Alors je crois que ce mois est un mois où le Seigneur va nous faire vraiment du bien. Je le crois. Ce que tu n'as pas eu en septembre, crois-moi, parce que tu vis, parce que tu respires, parce qu'il y a encore de l'espérance. Tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Tu vas le recevoir dans ce mois, dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Et dans le psaume 37 au verset 5, vous pouvez voir aussi le psaume 37 au verset 5. Psaume 37, 5, il est écrit, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » 6. Il fera paraître la justice comme, ta justice plutôt, comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Alléluia. Écris avec moi midi, midi, midi. Midi est l'heure de la justice. Midi, c'est l'heure de la justice. Et pour cela, bien-aimé, apprenez à prier aussi à midi. Apprenez à prier à midi. La puissance de la prière de midi, c'est que midi, c'est l'heure de la justice. C'est l'heure où Yahvé Tchiké nous se lève dans nos vies. C'est l'heure où Dieu nous fait justice. Alléluia. C'est pour cela qu'il est écrit, il est écrit ici, au verset 6, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Les prières de midi, c'est des prières où on demande à Dieu d'agir, de faire justice. C'est des prières où on demande à Dieu d'aller dans le camp de l'ennemi et de faire justice, de frapper. Alléluia. C'est les prières où on demande au soleil de justice de pouvoir éclairer, de venir éclairer notre destinée, notre vie, de paraître pour nous, de parler pour nous, de défendre notre cause. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et alors, bien-aimés, nous voulons prier. Je ne veux pas monopoliser la parole, nous voulons prier. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur, nous voulons prier. Merci Seigneur Jésus. Si tu n'as pas encore partagé, partage. Si tu n'as pas encore partagé, partage. Il y a quelqu'un qui doit être sauvé parce que toi, tu dois partager. Il y a quelqu'un qui attend que tu puisses partager. Alors partage parce que nous voulons commencer notre prière. Partage, 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 partage. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimés, nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur ce soir. Alors tu vas dire ce soir, Père, je te bénis pour ce premier jour du mois. Tu dois nommer le jour. Père, je te bénis pour ce premier jour du mois d'octobre. Alléluia. Père, je te bénis pour ce premier jour du mois d'octobre. Merci pour toutes choses que tu as planifiées pour moi ce mois. Parce que Dieu a planifié des choses pour toi. Merci pour toutes choses que tu as planifiées ce mois pour ma famille. Merci pour toutes bonnes choses que tu as planifiées pour mes enfants ce mois. Merci pour toutes choses que tu as planifiées pour ma maison ce mois, pour mon couple, pour mes affaires, pour ma santé. Dans le nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, tendre Père, je te bénis. Je te bénis ce soir. Je te bénis, Seigneur. Je veux annoncer encore à cette nuit ta fidélité. Je te bénis pour ce premier jour du mois d'octobre que tu as permis que nous puissions voir. Père, je te bénis, Seigneur, pour ce premier jour du mois d'octobre, Seigneur. Tu as permis que nous puissions respirer l'air d'octobre. Alors nous te bénissons et te louons. Merci, tendre Père, pour toutes choses que tu as planifiées pour moi. Merci pour toutes choses, pour toutes bonnes choses que tu as planifiées pour mon frère, pour ma soeur qui est connecté dans le nom de Jésus. Merci pour toutes bonnes choses que tu as planifiées pour mes enfants, pour ma maison, pour ma famille, pour ma destinée, pour ma vie. Je te bénis et je te loue
Je te magnifie, tendre Père, parce que tu as pour moi un avenir et de l'espérance. Oui, tu dis dans ta parole, voici, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, merci car tu as pour moi un avenir et tu as pour moi une espérance. Je veux te glorifier, je veux te magnifier. Merci, tendre Père. Merci pour les portes de ce mois qui se sont ouvertes pour moi et ma famille. Merci pour les portes de ce mois qui se sont ouvertes pour ma maison. Merci pour les portes de ce mois qui se sont ouvertes pour nous. Je te bénis et je te glorifie dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la tour de prière semeur. Merci pour nos frères, Seigneur, de par le monde, pour nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie car tu as permis que nous puissions tous voir ce mois d'octobre dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, nous voulons encore nous repentir devant Dieu. Ne permets pas que tu puisses encore rentrer avec les péchés de septembre en octobre. Bien-aimé, quand nous sommes rentrés dans le mois d'octobre, alors décide d'être aussi pur. Décide que les péchés qui t'enchaînaient encore au mois de septembre ne puissent plus t'enchaîner au mois d'octobre. Alors nous voulons nous repentir devant Dieu. Car nous voulons que notre prière puisse monter devant lui comme une offrande de bonne odeur. Tu vas prier ce soir et tu vas dire, Père, pardonne-moi tout péché qui m'empêche de voir ta main. La Bible déclare, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver qui que ce soit, ni son oreille trop dure pour entendre nos prières. Mais ce sont nos péchés qui éloignent sa main de nous. Alors nous voulons prier, tu vas demander pardon. Nous voulons nous repentir, demander pardon. Tu vas dire, Père, pardonne-moi tout péché qui m'empêche de voir ta main. Alléluia. Pardonne-moi tout péché. Et si tu connais ce péché, tu vas le nommer. Si tu connais, tu vas le nommer. Tu vas me suivre. Je vais donner l'exemple et tu vas prier comme je prie. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tendre Père, je viens encore devant toi. Je viens devant le trône de ta grâce. Je viens devant le trône de ta compassion. Je viens devant le trône de ton pardon. Je viens devant le trône de ta miséricorde. Te demander pardon, Seigneur, pour tout péché que j'ai commis, pour tout péché, Seigneur de gloire, qui m'empêche de voir ta main. Je te demande pardon pour tout péché qui m'empêche de voir ta main, pour tout péché qui empêche ta main de se manifester dans ma maison. Oui, Seigneur, je te demande pardon. Pardon. Pardonne, Seigneur, l'ingratitude que je peux avoir envers toi. Pardonne-moi, Seigneur, toute ingratitude que j'ai envers ta parole. Quand tu fais des bonnes choses pour moi, quand tu me gardes, tu me protèges, je n'arrive pas à demander, à dire merci. Je n'arrive pas à marcher avec l'action de grâce. Je ne fais que me plaindre. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardonne-moi la paresse. Peut-être que, Seigneur, tu me dis de prier, mais je ne prie pas. Pardonne-moi ma paresse parce que, Seigneur, je n'obéis pas à ce que tu me dis de faire. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardonne mes mauvaises pensées. Pardonne, Seigneur, de gloire mes humeurs. Pardonne, Seigneur, mes colères. Pardonne, Seigneur, mes hypocrisies. Pardonne mes mensonges. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je te demande pardon ce soir. Je te demande pardon ce soir. Je refuse de rentrer dans le mois d'octobre dans un état de péché. Je refuse, Seigneur, de rentrer encore dans le mois d'octobre avec ce péché qui me retient toujours, avec ce péché qui m'empêche de voir ta main. Je t'en supplie, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne les pensées de mon cœur, pardonne les paroles de ma bouche, pardonne, Seigneur, tout ce que je dis, Seigneur, et que je n'aurais pas dû dire. Je te demande pardon, Seigneur, pour toute parole mauvaise que j'ai dite, que je n'aurais pas dû dire. Je te demande pardon, Seigneur, pour toute bonne parole que j'aurais dû dire, que je n'ai pas dit. Je te demande pardon, Seigneur, pour toute bonne chose que j'aurais pu faire, que je n'ai pas fait. Je te demande pardon, Seigneur, de gloire, pardonne les pensées de mon cœur. Je te demande pardon, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne nos pensées. Oh, la Bible déclare, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Des fois, nous manifestons, Seigneur, l'enfantillage. Nous avons toujours, Seigneur, là, une manière de penser comme des enfants. Alors, nous manifestons la folie. Nous te demandons pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardonne ma maison. Pardonne mes enfants. Pardonne mon époux. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, nous voulons, Seigneur, que notre prière puisse monter vers toi. Que notre prière soit agréable devant ton trône. Que notre prière soit comme un parfum de bonne odeur. Que notre prière soit acceptée, Seigneur, agréée comme l'encens du soir. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur.
Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne les pensées de mon cœur. Pardonne les paroles de ma bouche. Pardonne les dispositions de mon cœur. Pardonne-moi. Pardonne-moi les décisions que j'ai prises, que je n'aurais pas dû prendre. Je te demande pardon. Je te demande pardon ce soir. Pardonne-nous dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ô Seigneur, accorde-nous ta miséricorde. Fais-nous grâce ce soir. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne. Enlève le péché. Enlève ce péché, Seigneur, que... ce péché, Seigneur, qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Pardonne, Seigneur, pardonne, pardonne, délivre. Délivre-nous de nous-mêmes. Délivre-moi de moi-même. Délivre-moi de la folie. Délivre-moi des mauvaises pensées de mon cœur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi dans le nom de Jésus. 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 Pardonne les péchés, Seigneur, de tes enfants. Pardonne les péchés, Seigneur, de la tour de prière semeur. Pardonne les péchés. Pardonne les péchés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous voulons rentrer. Nous voulons que dans ce mois d'octobre, nous puissions être réellement purs. Nous voulons que dans ce mois d'octobre, que ce que Dieu a prévu pour nous, que nous puissions le toucher. Que ce que Dieu a prévu pour nous, tout, que notre colis spirituel que nous devons recevoir, que nous puissions le recevoir et le toucher. Alors nous avons besoin d'être purs. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Nous voulons prier. Tu vas demander au Saint-Esprit. Amen, amen. Tu vas demander au Saint-Esprit. Tu vas dire au Saint-Esprit. Tu vas demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, expose à mon esprit tout ce qui doit changer dans ma vie. Alléluia. Que le Saint-Esprit expose à notre esprit tout ce que nous devons changer dans notre vie. Tout ce qui doit changer. Alléluia. Afin que la porte de la faveur s'ouvre pour nous ce mois. Afin que la porte de la grâce s'ouvre pour nous ce mois. Afin que la porte de la santé divine s'ouvre pour nous ce mois. Dans le nom de Jésus. Développe ce sujet au nom de Jésus. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Demande au Saint-Esprit d'exposer à ton esprit. Qu'il scanne ton cœur. Qu'il te scanne. Qu'il te regarde de fond en comble. Et qu'il puisse exposer à ton esprit tout ce qui doit changer. Changer dans ta vie. Changer dans ta maison. Changer dans ton comportement, changer dans tout ce que tu es, dans le nom de Jésus, commence à prier, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce soir nous venons encore, nous te supplions encore, ce soir nous te désirons encore, ce soir nous soupirons encore après toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, expose à mon esprit tout ce qui doit changer dans ma vie, dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, expose à mon esprit tout ce qui doit changer, je t'en supplie, Saint-Esprit, expose à mon esprit, montre-moi ce qui doit changer dans ma vie. Montre-moi ce que je dois changer. Montre-moi ce que je dois délaisser. Car des fois dans mes choix, je peux croire que je suis dans le bon chemin, mais en réalité, je me suis déjà écartée depuis longtemps. Je t'en supplie, Saint-Esprit, expose à mon esprit tout ce qui doit changer dans ma vie afin que la porte de la faveur de ce mois puisse s'ouvrir pour moi. Afin que la porte de la guérison de ce mois puisse s'ouvrir pour moi. Afin que la porte du miracle de ce mois puisse s'ouvrir pour moi dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, expose à l'esprit d'une personne tout ce qu'elle doit délaisser afin de pouvoir rentrer dans son miracle. Expose à l'esprit d'une personne tout ce qu'elle doit faire. Je t'en supplie, Saint-Esprit, parle. Parle à notre esprit. Saint-Esprit, parle à notre esprit. Saint-Esprit, parle à notre esprit dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je t'en supplie, expose à mon esprit. Expose à mon esprit tout ce qui doit changer. Expose à mon esprit tout ce qui doit changer. Saint-Esprit, je t'en supplie, conduis-moi dans la vérité de Dieu. Conduis-moi dans les choix de Dieu. Que je ne puisse pas suivre mes propres choix. Que je ne puisse pas être dans les sentiments, mais que je puisse être dans les voies de Dieu. Je t'en supplie, expose à mon esprit, parle à mon esprit. Je t'en supplie, Saint-Esprit, je suis disposé et disponible. Je te dis, vois-moi, je te dis, scanne-moi, je te dis, regarde-moi avec les scanners célestes, avec les scanners divins. Scanne-moi et regarde dans mon cœur tout ce qui doit changer. Expose à mon esprit, que je puisse comprendre, que je puisse comprendre et que je puisse changer dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je t'en supplie. Saint-Esprit, je t'en supplie. Saint-Esprit, expose à mon esprit tout ce qui doit changer. Expose à mon esprit tout ce qui doit changer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, enlève l'impureté. Saint-Esprit, aide-moi à sortir du péché. Saint-Esprit, aide-moi à délaisser les mauvaises voies dans le nom de Jésus. Afin que je puisse être pur. Afin que je puisse être pur. Afin que je puisse être pur. Saint-Esprit, lave-moi avec l'eau. L'eau, 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 l'eau de l'esprit. Que je puisse prendre un bain divin. Que je puisse prendre un bain
pain divin, un pain spirituel, afin de me purifier, afin d'enlever tout ce qui est pollution, afin d'enlever tout ce qui est impureté, afin d'enlever toute mauvaise chose dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je t'en supplie. Saint-Esprit, je t'en supplie. Saint-Esprit, je t'en supplie. Scanne nos cœurs, scanne nos pensées, scanne nos esprits, scanne nos âmes, scanne les pensées de nos cœurs et expose à nos esprits tout ce que nous devons changer dans le nom de Jésus. Expose à nos esprits tout ce que nous devons changer dans le nom de Jésus. Que nous puissions être purs, que nous puissions changer, que nous puissions prendre la décision de nous repentir réellement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je t'en supplie, Saint-Esprit. Je t'en supplie, Saint-Esprit. Je dis comme David, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Saint-Esprit, je t'en supplie, conduis une personne sur la voie de l'éternité. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je t'en prie, Saint-Esprit. Je t'en prie, Saint-Esprit. Viens laver, viens nettoyer. Saint-Esprit, viens enlever avec ton eau, avec l'eau de l'Esprit, que tu puisses nous laver, avec le feu, que tu puisses nous purifier, avec ton feu, que tu puisses nous purifier, et que quand tu nous purifies, que tout ce qui est impureté puisse quitter nos corps, puisse quitter nos esprits, puisse quitter nos âmes, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fendeur. Oh, je n'ai qu'un désir, être saint, Seigneur, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir, et prêt à t'obéir. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur avec révérence. Acclame le Seigneur avec considération. Acclame le Seigneur avec un esprit de gratitude. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, car c'est lui qui nous purifie. C'est lui qui enlève toute pollution. C'est lui qui enlève toute crassure dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, tu vas déclarer pour ce mois. Tu vas déclarer maintenant pour ce mois d'octobre. Tu vas déclarer, tu vas dire ceci. Père puissant, que ce mois, je ne sois pas ébranlé au nom de Jésus. Et je déclare sur toi que dans ce mois d'octobre, tu ne seras pas ébranlé. Tu ne vas pas tomber. Tu ne seras pas à terre dans le nom de Jésus. Commence à déclarer. Déclare cela avec force. Déclare cela avec puissance. Déclare cela. Déclare. Prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Déclare sur ta maison. Père puissant, parce que nous prions un Dieu puissant, Adonai. Père puissant, que ce mois, je ne sois pas ébranlé au nom de Jésus. Que ce mois, je ne sois pas ébranlé au nom de Jésus. Je déclare que ce mois, mes enfants ne seront pas ébranlés. Ma maison ne sera pas ébranlée. Ma foi ne sera pas ébranlée. Alléluia. Car la Bible déclare, résistez au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Alors tu ne seras pas ébranlé. Pas ébranlé par les situations. Pas ébranlé par le découragement. Pas ébranlé par les réalités que tu peux vivre. Déclare cela sur ce mois dans le nom de Jésus et que l'air de ce mois puisse t'entendre et que l'atmosphère de ce mois puisse t'entendre et que le vent de ce mois puisse t'entendre et que le soleil de ce mois puisse t'entendre et que la lune de ce mois puisse t'entendre dans le nom de Jésus. Commence à déclarer, commence à prier au nom de Jésus. Ô Père Saint, Père puissant, Père glorieux, Père excellent, alléluia, je déclare que ce mois je ne sois pas ébranlé. Je déclare que ce mois je ne serai pas ébranlé au nom de Jésus. Que je ne sois pas ébranlé ton
répondre, Père. Que je ne sois pas ébranlé, car je suis à Christ. Que je ne sois pas ébranlé, car je suis en Christ. Que je ne sois pas ébranlé, Père, que mes enfants ne soient pas ébranlés. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père puissant, que ce moi, je ne sois pas ébranlé. Quels que soient les combats, que je puisse résister au diable et qu'il puisse fuir loin de moi. Dans le nom de Jésus, que je ne sois pas ébranlé, que je ne sois pas ébranlé, que je ne sois pas ébranlé. Alors je déclare avec force, je déclare avec puissance, je déclare avec fierté, je déclare avec conviction. Ce moi, je ne serai pas ébranlé dans le nom de Jésus. Ce moi, je ne serai pas ébranlé dans le nom de Jésus. Je déclare que ce moi, le soleil ne me frappera pas, la lune ne me frappera pas. Dans le nom de Jésus, je déclare que ce moi, je ne serai pas à terre. Je déclare que ce moi, je resterai debout, car je suis planté, mes pieds sont plantés sur le rocher éternel qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors je ne serai pas ébranlé, je ne serai pas ébranlé, car ma vie est dans le creux du rocher qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, je déclare que je ne serai pas ébranlé, je déclare qu'en ce mois, je ne serai pas ébranlé, ni ma santé, ni mes finances, ni ma vie spirituelle, ni mon couple, ni ma maison. Dans le nom de Jésus, je ne serai pas ébranlé, je déclare que je ne serai pas ébranlé, je ne serai pas ébranlé, je ne serai pas ébranlé, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je déclare, alléluia, je déclare que le soleil ne travaillera pas contre moi, je déclare que la lune ne travaillera pas contre moi, je déclare que les arbres ne travailleront pas contre moi, je déclare que la terre ne travaillera pas contre moi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare que les eaux ne travailleront pas contre moi, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, je ne serai pas ébranlé, dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Alléluia, au nom de Jésus. Alors tu vas encore prier et tu vas dire ce soir, alléluia, tu vas dire ce soir, tu vas dire, alléluia, tu vas dire, tendre Père, là où mes propres efforts n'ont pas pu m'ouvrir les portes, n'ont pas pu ouvrir les portes en septembre, là où mes propres efforts, là où mes efforts humains n'ont pas pu ouvrir les portes au mois de septembre, alléluia, je déclare et je prie que ta main, je prie que ta main ouvre pour moi les portes au nom de Jésus, je prie que ta main, Père, ouvre pour moi les portes dans ce mois d'octobre dans le nom de Jésus, là où mes propres efforts n'ont pas pu ouvrir les portes au mois de septembre, oh Seigneur, je prie qu'en ce mois d'octobre, ta main puisse ouvrir pour moi les portes dans le nom de Jésus. Ta main puisse ouvrir pour moi les portes dans le nom de Jésus. Je répète encore pour la modératrice qui écrit. Là où mes propres efforts n'ont pas pu ouvrir les portes en septembre, que ta main ouvre pour moi les portes au nom de Jésus. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Commence à déclarer dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ô tendre Père, je prie ce soir. Je prie là où mes propres efforts n'ont pas pu ouvrir les portes en septembre. Là où mes propres efforts n'ont pas pu pousser les portes en septembre. Je t'en prie que ce mois d'octobre, tendre Père, que ta main ouvre pour moi les portes au nom de Jésus. Je te prie dans ce mois d'octobre que ta main ouvre pour moi les portes de la guérison. Que ta main ouvre pour moi la porte de la foi. Que ta main ouvre pour moi les portes de la grâce. Que ta main ouvre pour moi les portes de la faveur dans le nom de Jésus. Seigneur, là où mes propres efforts, là où les hommes n'ont pas pu ouvrir pour moi, je t'en supplie que ta main ouvre pour moi les portes. Que ta main ouvre pour moi les portes qui ont été fermées pour moi au mois de septembre. Oh, je les déclare ouvertes en ce mois d'octobre dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Là où, Seigneur, mes propres réflexions, mes propres calculs n'ont pas pu ouvrir les portes, n'ont pas pu trouver les solutions au mois de septembre. Seigneur, que ta main puisse ouvrir pour moi dans le nom de Jésus. Oh, que la main de l'Éternel ouvre pour toi en ce mois d'octobre les portes que tu n'as pas pu ouvrir au mois de septembre dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Je te prie pour mes enfants, ouvre les portes pour mes enfants, ouvre les portes pour ma vie spirituelle, ouvre les portes, Seigneur, pour ma vie financière, ouvre les portes dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes au 10e mois. Nous sommes au 10e mois. Alléluia. C'est notre 6e sujet maintenant. Nous sommes au 10e mois. Tu vas dire, alors que nous sommes au 10e mois. Alléluia. Alors que nous sommes au 10e mois. Bien-aimés, j'aimerais que tu puisses prier, vraiment prie sérieusement. Alléluia. Prie sérieusement. Si tu es seul au salon, tu peux te lever et tu commences à parler, tu commences à prier. Prie avec force. Prie avec un esprit conquérant. Avec un esprit conquérant, pardon. Avec une force spirituelle. Alors tu vas prier et tu vas dire, alors que nous sommes au 10e mois, alléluia, je déclare que je recouvre, c'est-à-dire je récupère, je recouvre 10 fois
tout ce qui m'a été volé au mois de septembre au nom de Jésus. Ou encore tout ce qui m'a été volé ce mois au nom de Jésus. Je recouvre 10 fois plus tout ce qui m'a été volé au nom puissant de Jésus. Comment je vais déclarer? Alors que nous sommes au 10e mois. Alors que nous sommes au 10e mois, je déclare que je recouvre, je reprends, je récupère, je reprends tout ce qui m'a été volé, tout ce qui m'a été volé. Je recouvre 10 fois plus tout ce qui m'a été volé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je déclare que je recouvre 10 fois plus tout ce qui m'a été volé, tout ce qui m'a été pris par l'ennemi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parce que nous sommes au 10e mois, je déclare, je me positionne dans le prophétique, je déclare que je vais recouvrir, je vais récupérer 10 fois plus tout ce que j'avais perdu dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes au 10e mois, je déclare que mes enfants vont recouvrir, vont récupérer 10 fois plus tout ce qui leur a été volé dans le nom puissant de Jésus, tout ce que l'ennemi a volé dans leur vie dans le nom de Jésus, tout ce que l'ennemi a volé dans leur vie sera récupéré 10 fois plus dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare qu'en ce mois d'octobre, je récupère 10 fois plus tout ce que l'ennemi avait pris, tout ce que les sauterelles avaient dévoré dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tout ce que le voleur avait volé. Je déclare qu'il y aura restitution en ce mois d'octobre au nom de Jésus. Je déclare qu'il y aura restitution au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je récupère 10 fois plus, je recouvre 10 fois plus tout ce qui m'a été volé dans ma santé, dans ma vie, dans mon mariage, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans ma destinée, dans ma vie spirituelle, dans mon travail, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je me positionne par la foi, je me positionne par la foi et je déclare que je récupère cela 10 fois plus dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Nous sommes au mois d'octobre, nous sommes au 10e mois. Tu vas prier, tu vas dire, tu vas déclarer sur ce mois et tu vas dire que ce mois, ou encore qu'en ce mois, comme tu veux, que ce mois, que je rencontre celui que Dieu a mis sur ma route pour me bénir au nom de Jésus. Il y a des personnes que Dieu a mis sur ta route pour te bénir. Alléluia. Il y a des personnes que Dieu a prévues. C'est des personnes provision, des personnes bénédiction que Dieu a mis en route pour te bénir. Mais des fois, l'ennemi met des embûches, tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas. Des fois, il y a juste une personne qui te sépare. Il y a juste une personne qui te sépare de ta bénédiction. Des fois, il y a juste 2 personnes. Mais tu ne vois pas la personne à chaque fois. Tu tournes en rond, tu es comme sur un rond-point, comme si on t'avait positionné sur un rond-point et tu tournes. Alors tu vas déclarer que ce mois, je rencontre celui que Dieu a mis sur ma route pour me bénir. Alléluia. Que ce mois, je rencontre celui que Dieu a mis sur ma route pour me bénir dans le nom de Jésus. Que je puisse rencontrer celui que Dieu a mis sur ma route, celui que Dieu a prévu pour ma bénédiction, celui que Dieu a prévu pour sur ce que j'attends dans le nom de Jésus. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Commence à prier dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je déclare que ce mois que je rencontre celui que Dieu a mis sur ma route pour me bénir au nom de Jésus. Oh, pour ceux qui sont célibataires et qui attendent toujours de rencontrer leur partenaire. Voilà un sujet pour toi. Voilà un sujet. Déclare que tu rencontres celui que Dieu a prévu pour ta vie. Déclare que tu rencontres le partenaire de ta destinée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Déclare que tu rencontres cette personne. Que ce mois, je rencontre celui que Dieu a mis sur ma route pour me bénir, celui qui a ma bénédiction. Je déclare que le vent de ce mois va le ramener vers moi, au nom de Jésus. Je déclare que le vent de ce mois va le ramener vers moi, dans le nom puissant de Jésus. Que celui que Dieu a prévu pour me bénir, je puisse la rencontrer. Qu'il soit au sud, qu'il soit au nord, qu'il soit à l'est, qu'il soit à l'ouest, je déclare que celui-là, je vais le rencontrer dans le nom de Jésus. Je déclare que celui-là, je vais le rencontrer dans le nom de Jésus. Je déclare que celui-là, je vais le rencontrer dans le nom de Jésus. Oh, je rencontre ce mois la personne provision de ma vie, le corbeau que Dieu a prévu pour me ramener le pain et la viande dans le nom de Jésus. Je déclare que je rencontre ce mois le corbeau que Dieu a prévu pour moi dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. La Bible me dit que le corbeau venait pour nourrir Élie chaque soir ou lui ramener à manger. Alors je déclare que celui que Dieu a prévu pour moi, que je puisse le rencontrer dans le nom de Jésus, que je puisse le rencontrer dans le nom de Jésus, que je puisse le rencontrer dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. 7e sujet. Alléluia.
Non, huitième sujet. Alors tu vas prier, tu vas dire, ô Saint-Esprit, fais de moi un aimant géant. Vous connaissez les aimants? L'aimant attire, alléluia. Fais de moi un aimant géant au nom de Jésus, alléluia. Qui attire des faveurs et des opportunités au nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a pas d'hasard. Si tu déclares que tu vas attirer cela dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit fasse de toi un aimant au nom de Jésus. Nous sommes en train de faire des prières pour les grandes personnes, les matures spirituelles. Si tu es un bébé spirituel, tu ne vas rien comprendre. Tu dois te positionner dans la foi. Alors commence à prier. Commence à prier. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais de moi un aimant géant. Un aimant géant au nom de Jésus. Qui attire que des faveurs. Qui attire que des opportunité dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que je puisse être un aimant géant qui va attirer mes enfants qui m'ont fui, qui va attirer, Seigneur, mes amis qui m'ont délaissé, qui va attirer ma famille qui m'a tourné le dos, qui va attirer le mari qui m'a laissé sans raison, au nom de Jésus, 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 qui va attirer la faveur, qui va attirer la faveur dans le nom de Jésus. Commence à prier, ô Saint-Esprit, fais de moi un aimant géant, un aimant géant, que je puisse attirer les opportunités, que je puisse attirer la faveur, que je puisse attirer la grâce. Alléluia. David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Oui, que le bonheur et la grâce puissent m'accompagner, que je puisse attirer cela dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Fais de moi un aimant géant qui attire des faveurs, qui attire des bonnes personnes, qui attire des bonnes personnes dans le nom de Jésus, qui marche avec des grâces, qui marche avec des opportunités, qui marche avec des faveurs dans le nom de Jésus, qui attire le miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, je t'en supplie, fais de moi un aimant géant, fais de ma soeur un aimant géant, là où on ne la prend pas au travail, que maintenant quand elle va aller pour déposer son dossier, qu'on puisse l'accepter, qu'on puisse prendre son dossier, qu'on puisse la recruter, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, qu'elle attire la faveur, qu'elle attire la faveur au nom de Jésus, qu'elle attire la faveur au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je déclare la faveur, je déclare la faveur, je déclare la faveur sur vos vies dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous parle. Alléluia. La Bible nous parle de Daniel qui avait prié. Alors que Daniel avait prié, sa prière était déjà exaucée. Mais il y a eu guerre. Il y a eu guerre dans le ciel. Pourquoi? On ne voulait pas que sa livraison puisse arriver. On ne voulait pas que sa bénédiction puisse arriver. On ne voulait pas, l'ennemi ne voulait pas que sa réponse puisse arriver. Alors tu vas prier ce soir et tu vas dire, oh tendre Père, Père puissant, comme tu, le nom que tu sens que tu veux dire. Tu vas dire Père Saint, Père puissant, Père excellent, Père grand, comme tu veux. Tu vas dire tendre Père, place des panneaux indicateurs, alléluia, place sur ma vie des panneaux indicateurs, alléluia, place sur ma vie des panneaux indicateurs, place sur ma maison des panneaux indicateurs, alléluia, afin que les anges de la livraison, alléluia, afin que les anges de la livraison puissent voir ma présence au nom de Jésus, afin que les anges de la livraison de ma bénédiction puissent voir ma présence au nom de Jésus, place sur ma vie. Bien aimé, ça paraît bizarre, mais j'aimerais vous dire que l'ennemi place des voiles de ténèbres dans les visages. Sur les visages, il place des voiles de ténèbres. C'est pour cela que vous êtes invisible. Des fois, tu vas quelque part, on ne te voit pas. On voit que les autres. Alors, tu vas dire, Père, place sur mon visage, place sur ma maison, place sur mes enfants des panneaux indicateurs. Alléluia. Des panneaux indicateurs qui vont indiquer aux anges de la livraison, alléluia, ma présence. Qui vont signaler aux anges de la livraison ma présence dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et tu peux aussi rajouter, et que tout voile de ténèbres qui est sur mon visage, qui me rend invisible, quitte ma vie dans le nom de Jésus. Et que tout vêtement de ténèbres qui me rend invisible, quitte mon visage, quitte ma vie dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Oh Père, je te prie, place des panneaux indicateurs, alléluia, place des panneaux indicateurs sur ma vie, place des panneaux indicateurs sur ma maison, place des panneaux indicateurs, alléluia, afin que Seigneur, afin qu'on puisse voir ma présence, afin que les anges de la livraison arrivent jusqu'à moi, afin que les anges de la livraison de ma bénédiction arrivent jusqu'à ma maison, arrivent jusqu'à moi dans le nom de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus. Je t'en supplie Père, je t'en supplie Père. Oh
Père, souviens-toi de cette femme qui est toujours invisible. Invisible, quand elle va au travail, elle est invisible. Quand elle va partout, on ne la voit pas. Oh, je prie, Seigneur, que l'onction de la visibilité vienne sur une personne afin qu'elle soit visible, afin qu'elle soit visible, visible au travail, pour qu'elle soit recrutée, qu'elle puisse signer son contrat. Visible, Seigneur, visible, afin que le partenaire de sa vie puisse la voir dans le nom de Jésus. Visible, Seigneur, enlève tout esprit qui met l'invisibilité dans la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus. Mets des panneaux indicateurs. Alléluia. Mets des panneaux indicateurs sur nos vies, sur notre destinée, sur notre chemin, afin que les anges, l'ange de la livraison, qui a notre livraison, puisse arriver jusqu'à nous, dans le nom de Jésus. Oh, il arrivera jusqu'à toi. Que ce mois d'octobre soit un mois exceptionnel pour toi, dans le nom de Jésus. Que ce mois d'octobre soit un mois exceptionnel pour toi, dans le nom de Jésus. Que ce mois d'octobre, qu'il y ait des panneaux indicateurs sur ta vie, des panneaux qui vont signaler ta présence, des panneaux qui vont dire, voilà, allez livrer la bénédiction là-bas, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, bien-aimé. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier pour ta santé. Ce mois, tu vas prier, tu vas dire, ô Père, que ce mois, éloigne de moi la maladie. Alléluia. Éloigne de moi la maladie. Éloigne de moi la maladie. Parce que, Seigneur, tu es Yahvé Shama. Yahvé Shama, c'est-à-dire le Dieu présent. Que ta présence me donne la santé. Éloigne de moi la maladie. Éloigne tout projet de maladie de l'ennemi contre ma vie, dans le nom de Jésus. Que je sois forte dans ma santé. Que je sois forte. Alléluia. Si tu es malade, commence à dire au Seigneur de te guérir. De guérir tes yeux. Guérir tes mains. Guérir ton dos. Guérir tes articulations. Dans le nom de Jésus, commence à prier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, tendre Père, je te prie ce mois, éloigne de moi la maladie. Éloigne de moi la maladie, Seigneur. Éloigne de tes enfants la maladie. Éloigne de tes enfants la maladie. Alléluia. Que ta présence nous donne la bonne santé. Que ta présence nous donne la bonne santé, je t'en supplie. Oh, si une personne est malade maintenant, Seigneur, je te prie que tu puisses la guérir. Guéris les yeux d'une personne. Guéris les oreilles d'une personne. Guéris le cœur d'une personne. Guéris le foie d'une personne qui est connectée maintenant, au nom de Jésus. Guéris les reins d'une personne qui est connectée maintenant, au nom de Jésus. Guéris, Seigneur, guéris. Je brise tout esprit de maladie. Je brise tout ce qui est sida. Je brise tout ce qui est cancer. Je brise toute maladie incurable. Toute maladie mystique qui a été mise sur la vie de tes enfants. Je brise cela ce soir, dans le nom de Jésus. Et je déclare que dans le mois d'octobre, ils ne vont pas être dans ce mois avec la maladie, au nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison totale de la tête à la plante des pieds, au nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison totale maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éloigne la maladie. Éloigne la maladie de nos maisons. Éloigne la maladie de la vie de nos enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, donne-nous la force. Dis au Seigneur de te donner la force. Ce mois, Seigneur, donne-moi la force. La force. La force. Que je ne sois pas faible dans ma santé. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force. Que je sois forte dans le nom de Jésus. Que je sois forte dans le nom de Jésus. Que ce mois, je sois forte dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi la bonne santé. Donne-moi la bonne santé. Donne-moi la bonne santé au nom puissant de Jésus. Donne-moi la bonne santé. Guéris-moi spirituellement et guéris-moi physiquement dans le nom de Jésus. Que je sois forte spirituellement et que je sois forte aussi physiquement dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas prier, tu vas dire au Seigneur que ton sang me couvre. Ce mois, que ton sang me couvre, couvre ma maison, couvre mes enfants, et que je sois invisible aux yeux de l'ennemi dans le nom de Jésus. Là où il y avait mon nom dans les projets de l'ennemi, que ton sang puisse effacer mon nom au nom puissant de Jésus. Seigneur, localise mon nom. Si mon nom était sous les eaux, au fin fond de la mer, je déclare que le Seigneur voit ton nom et que son doigt va maintenant effacer. Le sang de Jésus efface ton nom maintenant dans le nom de Jésus, car tu es en Christ. La Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Alors commence à prier que le sang de Jésus te couvre. Alléluia. Que le sang de Jésus te couvre et te rende invisible. Au nom de Jésus, prie ensemble. Alléluia. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je prie ce soir. Je prie que ton sang, Seigneur, puisse encore me laver. Laver mes enfants. Laver mon époux. Laver ma maison. Laver mon ministère. Laver mes frères. Laver mes soeurs. De la tête à la plante de nos pieds, dans le nom de Jésus. Que nous soyons couverts sous le sang de Jésus. Oui, que ton sang nous couvre et nous garde. Et que, Seigneur de gloire, nous soyons invisibles aux yeux de
de l'ennemi. Que ce mois, tous les projets qui ont été formés contre nous soient nuls et sans effet au nom de Jésus. Je déclare nul et sans effet tout projet qui a été érigé contre nous dans le nom de Jésus. Tout projet maléfique qui a été érigé contre nous dans le nom de Jésus. Que cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Je t'en supplie, Seigneur, que ton sang nous garde, que ton sang nous protège, que ton sang crie pour nous, que ton sang parle pour nous au nom puissant de Jésus. Localise, regarde Seigneur dans la liste de ceux qui sont condamnés dans ce mois. Si le nom de quelqu'un qui est connecté maintenant est dedans, que ce nom soit effacé au nom de Jésus. Que la personne soit aux Antilles, que la personne soit aux États-Unis, que la personne soit au Gabon, que la personne soit au Cameroun, que la personne soit au Botswana, en Guyane, en France, en Italie. Si son nom est quelque part dans le monde des ténèbres, que son nom soit effacé au nom de Jésus. Parce qu'elle s'est connectée à cette prière, que son nom soit effacé dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que son nom est effacé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui Seigneur, je viens maintenant au nom de Jésus. Libérer toute personne qui était attachée par des cordes maléfiques dans le nom de Jésus. Que toute corde maléfique qui attachait la vie d'une personne soit coupée au nom puissant de Jésus. Que cela soit coupé dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ce mois de grâce et pour ce mois de faveur. Merci pour ce mois de restitution au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Alléluia. Je vais prier et nous avons terminé. Alléluia. Ne partez pas vite parce que j'ai une annonce à donner. Ne partez pas, j'ai une annonce à donner à la fin. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence au milieu de nous qui nous a encore fait du bien. Seigneur, alors que nous voulons nous séparer, que tu puisses encore nous garder et nous protéger. Seigneur, il y a des choses que nous n'avons peut-être pas dit, mais toi qui connais déjà nos pensées, avant même que nous ouvrons la bouche, que tu puisses pourvoir, que tu puisses pourvoir aux besoins de chaque personne. Protège-nous cette nuit, garde-nous Seigneur. Merci, car nous sommes dans ton projet, nous sommes dans ton plan merveilleux. Et que tu nous as, Seigneur, tu nous as sortis des plans de l'ennemi. Merci, car tu nous as délivrés de toute réclamation satanique au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Garde-nous fidèles à toi et que nous puissions être là demain matin à 4h du matin. Donne-nous la force d'être là demain matin afin que nous puissions encore te célébrer. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, shalom, shalom. L'annonce que j'ai, c'est que nous allons avoir 7 jours de jeûne et prière. 7 jours de jeûne et prière. Ça sera la deuxième semaine, j'aurai jeûne avec quelqu'un. Oh là là, c'est qui? Ça sera la semaine du 20. Ça sera la semaine du 20. Donc, je pense que ça sera pasteur. Ça sera la semaine du 20. Donc, le dimanche 20, cette semaine-là, le lundi, nous aurons jeûne et prière. Et le thème du jeûne, c'est stopper la main du voleur. Est-ce que tu peux écrire stopper la main du voleur? Stopper la main du voleur ou encore arrêter le voleur. Parce qu'il y a beaucoup de destinées qui sont volées. L'ennemi vient voler. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit, le voleur ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Il vient pour voler. Alors nous voulons stopper le voleur qui vient voler notre santé, qui vient voler dans notre destinée, qui vient voler nos grâces. Nous voulons arrêter cela dans le nom de Jésus. Que ce vent soit arrêté dans le nom puissant de Jésus. Et nous aurons donc veillé de prière. Notez bien, nous aurons veillé de prière le 18 octobre, nous aurons veillé de prière à Sarcelles. Et il faudra vraiment venir. Nous serons donc en jeûne à partir du lundi. Et le vendredi, nous aurons notre veillée de prière. Et le dimanche, nous allons conclure aussi à Sarcelles. Donc, venez garder les dates. Chloé, si tu es là, tu peux m'aider. La semaine du 20. La semaine du dimanche 20. Ou Trinité, mettez-moi la date. Voilà. Parce que du coup, j'utilise tous mes téléphones. Je ne peux pas regarder. Voilà. Donc, nous aurons notre jeûne et prière. 7 jours de jeûne et prière pour stopper la main du voleur. Et nous allons prier la nuit. La prière sera la nuit parce que le voleur travaille la nuit. Amen. Nous aurons prière, ça sera de 23h à minuit. Je voulais faire minuit à 1h du matin, mais on n'aura pas le temps pour nous réveiller encore à 4h. Ça sera 23h minuit. 23h minuit, 23h minuit. Pendant les 7 jours, on va prier la nuit. Donc, il faudra faire violence et nous connecter. Alléluia. Voilà.
on priera, ça sera des prières de nuit. Donc on priera le matin, ça, il y aura des prières tous les matins et la nuit. Matin et nuit, matin et nuit. C'est très important, c'est très important. Donc préparez-vous déjà pour ce jeûne et pour la veillée de prière que nous aurons. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. C'était ça l'annonce que je voulais vous donner. Et n'oubliez pas, l'opération maison de prière continue. Donc merci pour tous ceux qui envoient leur contribution. Merci beaucoup, soyez bénis. Merci Gemma, n'oublie pas ta contribution. Merci, je sais que tu as déjà donné, mais tu peux encore donner. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, je t'ai cherché dimanche, tu n'étais pas là. Le Seigneur avait parlé pour toi. Je ne sais pas si tu avais entendu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse plutôt. Donc, je vous dis à demain au téléphone. Je vous dis au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Voilà, à demain matin. Donc, à demain, 4h du matin. Avant de partir, mettez juste, donnez-moi des cœurs, donnez-moi des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des likes, des pouces bleus, pas la tête orange, s'il vous plaît. Des pouces bleus, des cœurs, des pouces bleus. Nelly, sois bénie. Voilà. Blanche, sois bénie. Kadi, Françoise, sois bénie. Sois bénie, vraiment. Que le Seigneur te fasse encore du bien. Mettez juste bénie la ville d'où vous nous avez suivis ou le pays. Et nous allons vous dire shalom et nous avons terminé. Donc, Vanessa, God bless you. Mettez juste bénie France, bénie Angleterre, bénie Botswana, bénie Pakistan, bénie Inde. Voilà. Ah bon? Je vais regarder. Natoki, je vais regarder sur WhatsApp. Ok, je regarderai tout à l'heure. Voilà. Béni, béni, béni. Judith, sois bénie. Judith Louyindoula, sois bénie. Judith Dias, sois bénie. Voilà, Judith Akonzo n'est pas là. Oh, Trinité, sois bénie. Dominique, voilà. Servante de Dieu, grâce, Buana, sois bénie. Que Dieu te bénisse, merci. Voilà, mettez le pays d'où vous m'avez suivi. D'où vous m'avez suivi, mettez le pays. Pour nous permettre aussi de savoir jusqu'à où nous sommes. Amen. Voilà. Nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes suivis de partout, de la Chine, de l'Inde, du Botswana, de pas mal de pays, vraiment, même les noms m'échappent. Des Philippines aussi, nous sommes aussi suivis à partir des Philippines. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cela. Pour toute personne qui nous suit vraiment, qui est famille TPS, nous bénissons le Seigneur. Donc, n'oubliez pas vos cotisations pour la maison de prière. Nous sommes à la fin du mois. Oh, Andrea de la Guadeloupe, sois bénie. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Rachel de Reims, God bless you. Sois bénie, sois bénie. Voilà. Merci Célia, merci pour ta contribution. Que le Seigneur te bénisse. Awa du Maroc, que le Seigneur te bénisse. Ouattara. Voilà. Merkimta à Paris, toi, il faut que tu viennes à la veillée. Linda, sois bénie. Clémentine, sois bénie. Voilà. Donc, je vous dis à très vite. Jean-Louis, sois béni, tu nous manques. Oh, Jean-Louis et Félix. C'est nos frères qui sont partis en vacances en Guadeloupe. Soyez bénis. On vous attend. Flo de Bruxelles, que le Seigneur te bénisse. Aline, sois bénie. Lily, voilà. Donc, Émilie, enfant de Dieu, soyez bénis. Shalom, shalom. Donc, à très bientôt. Voilà. Célia, toi, tu es où? Badinga, toi, tu es où? Donc, soyez bénis, soyez bénis. Maman Kadi, sois bénie. Maman Isanga, sois bénie. Je t'attends le vendredi. Il faut que tu viennes, prends déjà ton billet. Voilà. Sandrine de la Guadeloupe. Ah, tu es en Guadeloupe, tu vois, je ne savais pas. Sois bénie, Sandrine. Sandrine Montella. Je ne savais pas que tu étais en Guadeloupe. Voilà. Soyez bénie, soyez bénie. Henriette de Rouen, que le Seigneur te bénisse. La Guadeloupe, l'année prochaine, je viendrai en Guadeloupe. On sera là. On sera là. Amen. Agnès de Belgique. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Shalom à tous. Ceci vous est présenté par la Tour de prière Semeur, tous les mardis et jeudis de 22h à 23h. Rejoignez-nous au 09 72 61 93 80, code d'accès 1077. Que Dieu vous bénisse.